Et salut à tous, c'est Noah pour cette petite vidéo sur un jeu qui est actuellement en bêta qui s'appelle Neverwinter. Alors, c'est un jeu qui vient de Donjons et Dragons. C'est une série très connue, surtout pour les jeux de plateau, et que j'ai d'ailleurs toujours aimé. C'est pour ça que je me suis dit, on peut tester. Donc voilà, on va tester. J'ai déjà fait pas mal de quêtes, hein. Je suis niveau 8. Enfin, pas mal. C'est vite dit. Mais le jeu est assez prenant. Ça mélange entre Warcraft, enfin World of Warcraft et Skyrim. À savoir que visuellement et d'un point de vue personnage, c'est comme dans Warcraft. Et pour le combat, c'est comme Skyrim. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de cliquer sur le personnage et de taper, d'appuyer sur des boutons pour lancer des sorts. Là, non. C'est clic gauche, clic droit, ça balance vos sorts. Vous avez des sorts optionnels aussi, Q, E, R, etc. Mais c'est sans oublier que vous devez viser votre adversaire avec la souris. Et bien le viser, évidemment, pour pouvoir combattre et le tuer, quoi. Le toucher. Ça recrure de portée, voilà. Donc ce jeu est gratuit, c'est un free to play. Donc vous avez besoin de rien payer du tout. Évidemment, vous pouvez payer pour avoir des objets en plus, mais c'est pas du tout obligatoire. Moi, je compte pas payer, évidemment. Hop, hop, hop là, voilà. Donc, faut peut-être que je regarde ce qu'il faut faire comme mission. Oh, c'était ça qu'il fallait brûler. Aïe! Oh, c'est chaud. Ah, oh. Qu'est-ce qu'il me fait? Harlem Shake! Allez, Harlem Shake! Yeah! Harlem Shake! Ouais. Genre, ces trois caisses-là, elles ne valent que 1. Pouah. C'est pas très sympathique. Alors, on peut jouer en équipe, tout comme en solo, hein, comme n'importe quel jeu. Et un truc intéressant, c'est qu'on peut mettre des espaces dans les pseudos. Vous voyez, là, par exemple, je m'appelle Inquisitrice Aenoa, parce que c'est un perso féminin. Donc j'ai mis Inquisitrice. Oh, c'est quoi ça? Je suppose qu'il faudra un pack pour l'ouvrir. Ah non, même pas. Enfin, si je l'ai, mais voilà. Tac, 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 et tac. Voilà. Toi, on te fait brûler. À savoir que le jeu est assez facile à prendre en main. Il est, ouais, il est simple, quoi. Il est agréable à jouer. Par contre, les ennemis sont un peu cons. Genre, des fois, je passe à côté d'eux, ils vont pas m'attaquer. Mais bon, c'est une bêta, hein, faut pas oublier. Ah, il refait la Harlem Shake. Pourquoi pas? Et apparemment, j'ai une régène de vie. C'est pas mal. Hop, toi, on te fait cramer. Attaquer le quartier général des Nashers, c'est où au fait? La chair headquarter, ok, c'est là. Ah, bah, j'attends qu'ils aient fini de cramer. Comme ça, j'aurai fini ma quête. Et de là, bah, on ira combattre les Nashers. Si c'est ainsi qu'on dit. Je suis pas sûr. Alors, il y a pas mal de classes, de races et de possibilités. Donc, quand vous faites votre personnage, déjà. La personnalisation, elle est énorme. Que ce soit au niveau des yeux, des cornes, du visage, de n'importe quoi, ça met limite plus de temps à faire un personnage qu'à jouer au jeu. Parce que vous voulez un personnage vraiment unique, des fois. Ouh. C'est agressif, ça, dis donc. Et ouais. Donc ça prend vraiment pas mal de temps.
On a 8 classes jouables. Moi, je suis un tiefelin. J'ai pris en sous-classe prêtre dévoué. Donc, je suis un prêtre. Je soigne. Ouh! Va-t'en. Voilà. Et on peut ensuite choisir son atout en quelque sorte. Moi, j'ai mis que j'étais en atout nature. Donc, je suis pour la protection de la nature. Toi, tu vas te bouffer un petit oiseau. Aïe. À savoir que vous avez une possibilité de esquiver les coups en faisant deux fois rapidement une touche de déplacement, mais il vous faut de la vigueur. Alors là, j'ai fait un petit peu trop tard, quoi. Hop, hop, ah, potion, voilà. Genre, t'es pas mort. Mais je veux dire, t'es un méchant, t'es pas mort, quoi. Non mais allô. Et quoi, il prend pas. Pourrais-tu prendre des dégâts? Merci. Donc voilà. Bah cette vidéo sera. Encore? Oh! Eh, ils font que ça, dis donc. En même temps, c'est un petit peu leur quartier général, j'ai envie de dire. C'est normal qu'ils se défendent. Hop, 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 hop. Allez, cul. Ouais. Ah, l'enfoiré. Mange mon oiseau. Voilà. J'aime bien mon pigeon. Poupidoupidou. Ouais, bah, la vidéo sera assez simple, hein. Je jouerai. Ça résume assez bien la vidéo. Parce que y a pas grand-chose à parler, hein. C'est surtout que vous pourriez le tester, voire même jouer avec moi, pourquoi pas. On pourrait se monter un groupe ou même une guilde. Mais bon, ça, on s'en fout un peu. Et ton. Ouh, coucou toi. Oui, quand je dis qu'ils sont un petit peu cons, c'est vraiment qu'ils sont un peu cons, hein. J'étais à côté, c'est non, je ne te vois pas. Oh! Chute de FPS. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh, oh, eh, calme, calme. Hein. Eh, calme, hein. Tout calme, hein. Dis. Petit cochon, on va. Petit cochon, on va. Alors, j'ai une merveilleuse chute de FPS. C'est génialissime. À nous tremper. Ok, bon. Pourquoi? Ah voilà, non. Ah mais c'est que quand je suis. What the fuck? Ah! Ça lag. Bon, je reviens. Ah, ça lag plus. Ah si, ça lag. Ok, bon, bah je suis de retour. J'ai pas redémarré le jeu. Ça a l'air d'aller. Donc on va le laisser ainsi. Hein, tant que ça fonctionne, ça fonctionne. J'ai regardé le début de la vidéo. Mon micro fait un drôle de bruit. Mais c'est parce que j'utilise un autre système d'enregistrement. Que normalement j'utilise Frappe. C'est là que j'utilise Open Broadcaster. Je sais plus quoi. Software, voilà. OBS. Et c'est un logiciel qui normalement est utilisé pour le streaming, mais on peut aussi faire du l'enregistrement local, un peu comme XSplit, mais en gratuit. Et je préfère OBS à XSplit d'ailleurs. Ah, voilà. Il faut que je trouve donc Karzov. Un polonais, ça. Ou un russe. Je sais pas. On verra bien. C'est toi? Non, c'est. Sorcier. Non. Ah oui, niveau inventaire aussi, on a un système où on peut se mettre en mode objet de mode. Donc ça change strictement rien, mis à part notre apparence. Donc si on n'a pas envie qu'on voit notre armure qui est hideuse, eh ben on passe en mode mode. En mode mode, oui bien sûr.
Bah, ça évite de montrer son armure, mais moi je préfère voir l'armure, parce que ça fait plus badass, même si c'est un prêtre. Oups. Donc voilà. Le jeu peut paraître un petit peu embêtant, mais franchement, il vaut le détour. Je vous conseille fortement d'y jouer. Si vous êtes fan de RPG ou même de MMO, ça vous plaira. Et il y a très peu de MMO que j'aime bien, croyez-moi. À part Skyrim et WoW, et encore WoW, je commence vraiment à me lasser parce que c'est chiant. Ça se répète continuellement. Vous devez avoir une cible. Bah, il est là, voilà. Alors, normalement, on peut cibler une cible. On peut taper un endroit sans avoir de cible. Mais je sais pas comment faire. J'ai pas regardé en détail. Donc, vous pourrez vous amuser à taper dans le vide pour impressionner vos adversaires, vos amis, peu importe. Ce sera possible. Je suis quasiment au niveau suivant. Oui. Hop, 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 hop. Sachant aussi que à chaque fois qu'on gagne un niveau, on peut. Merde, comment j'y accède du coup? Non, non, non. P. Ah voilà, P. On a des pouvoirs. Alors les pouvoirs, à de base, clic gauche et clic droit. Et on a aussi notre Q, donc l'explosion. Le 1, c'est le gros pigeon qui est tombé. Et à chaque nouveau niveau, on obtient un point, un seul. Et ça nous permet de monter en grade soit un sort déjà existant, soit un nouveau sort qui sera disponible là, par exemple à 5 points. Et quand je passerai niveau 9, j'aurai un point en plus, donc je pourrai le mettre dans un de ceux-là. Ça fera que j'aurai utilisé 10 points. Donc au niveau suivant, je pourrais mettre un de ceux-là aussi. Conduit divin. Conduit divin, luminosité punitif, lumière apaisante. Donc voilà. Ça nous permet d'avoir des sorts, hein, tout simplement. On a aussi des talents. Donc là, vous voyez, je suis prêtre dévoué. Action curative, non. Vertueux, juste. Ça, par contre, j'ai pas encore regardé. J'ai aucun point. Ah oui, mais des parangons et tout, c'est quand on est au niveau, ça. Alors, les compagnons, c'est des personnages qui vous suivent. Donc ça peut être comme un pet en quelque sorte hein, qui vous attaque. Enfin qui vous aide à attaquer plutôt. Aucun objet. Symbole de néophyte. Plus 74, non. Ici, symbole de néophyte encore une fois. Pied. Non. 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 Bon. Ok, j'ai rien. Donc là, je vois que j'ai une classe d'armure de niveau 16. J'ai de la force, de l'intel. J'ai que 12 d'intel. Et pourtant, je suis prêtre. Sagesse. Ah, d'accord. Sagesse, c'est pour un prêtre. Ok. Bonus de soins 8%, etc. Donc, modifier le profil, c'est-à-dire. On peut changer de nom aussi, mais ça, il faut acheter que de l'argent réel et ça m'intéresse pas trop. Donc. Pensez bien à votre pseudo quand vous le faites. Comme dans tout jeu d'ailleurs. Oh, me dis pas que ça recommence à laguer. Ah, Karzov est là-bas. Ce serait bien que ça ne lague pas pour le combattre. Vous savez quoi? Je vais relancer le jeu. Donc, je vous dis à tout de suite. Ok, me revoilà. Ça m'a l'air d'aller. Ah, cinématique. Je croyais que j'avais bugué. Donc là, c'est le gros méchant. Bon bah. Comment ça, impossible? Ah voilà. Allez, venez mes enfants. Je vais me faire d'abord les petits bots.
Wow. Ce qui m'a mis... Ah, j'ai presque plus de potions en plus. Eh, hey, oh. Wa. Ah, il fait mal. Non. Wow. Allez, mon pigeon. Mon pigeon, donne mon pigeon. Eh ben... C'était pas facile, hein. Donc là, vous voyez, j'ai gagné un niveau. Donc, je vais me mettre... Dépense 20 points pour débloquer, non. Sagesse, buff, plus 5%, explosion. Non, lancer deux fois, non. Saut, non. Bah non, de toute façon, j'ai pas le niveau. Lumière brûlante. Ou alors soin plus 10%. Allez, on va monter les soins. Voilà. Afficher les voix. À volonté. Quotidien, point dépensé, aptitude de classe. Ouais, non. Non. F2. Voilà. Bon. Ça, on récupère. Ça, on récupère. Et on a notre butin qui est là. Symbole d'espoir. Ouf, ça augmente de la puissance et tout. Alors, I. Si j'ai mon équipe, ça fait quoi? Ok. Je peux pas m'en équiper. Bon, tant pis. Équiper. Toi, on va t'identifier. Puissance, rétablissement, défense, on va prendre. Ça, on va l'identifier pour le revendre. Amulette létale, niveau 10 requis, blablabla. Kit de l'arsin. Ouais, bon. Sac à dos d'aventurier. Ah oui, d'accord, j'ai un deuxième sac à dos en fait. Maintenant, il faut sortir. Oui, les petites paillettes que vous voyez à terre. C'est l'assistance direction de quête. Donc si vous appuyez sur W, attendez, je vais m'écarter. Si on appuie sur W, ça disparaît. Quand on appuie dessus, ça affiche le chemin. C'est pour vous dire, faut aller par là. Alors, Lakeside. Oh, coucou. Aïe! Vilain. Ça bug un peu par contre. Hop. Kit de nature. Oh, ils ont cassé mon kit de nature. C'est dégueulasse. Attends, faut aller où? Où qu'il faut aller? Krakow poussé dans les retranchements, beauté glaciale. Ouais, ok. Rendre la quête, c'est de l'autre côté. Ah, je suis bon à faire le tour. Ah non. Hey, ninja.
Ouais. Bah, on va quand même éviter les combats. Hein. Même si le farm, c'est la vie. Bah là, non, c'est pas la vie. C'est plus la mort que la vie. Héros de Black Lake. Et quoi, moi j'ai pas de titre? Pourquoi je peux pas avoir de titre? Niveau 9, être dévoué. Tête, non. Modifier le profil. Ah, votre titre. Sylvanite, des îles Muncha. Hop. Voilà. Et il faut aller. Vous êtes ici, quartier de Blacksmith. Blablabla. Vous avez des quêtes à rendre. Voilà, on va aller là-bas. Parce que j'ai des quêtes à rendre. Objectif accompli. Découvrir ce qu'il se passe. Et quoi, je devais pas rendre une quête? Ah mais en fait quand là je vais un petit peu me régène. Parce que oui, les feux de camp vous soignent en fait. Ça remet vos stats en mode tout au max. Poupidoupidou. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouh. Qu'est-ce que ce bordel? Bon, par contre, niveau graphique, on a connu mieux, hein. Ça, je suis assez d'accord. Mais bon. Trouver un autre chemin. Et évidemment. Orc Alpha. Ah oh mais ils sont quel niveau? 9! Mais je suis... Ah oui, je suis 9 aussi en fait. D'accord. Ouais, vous savez quoi? Ouais, en fait, non. C'est la seule quête qu'on a, donc on va la faire quand même. Terminé, blablabla. Prendre la couronne au sergent Knox. Mais où est le sergent Knox? Bon. Ouais. On va faire cette quête. Bien, vous savez quoi? La vidéo, je pense qu'elle est déjà assez longue. Si ça vous intéresse, je vais continuer à enregistrer. Et si ça vous intéresse, ben, je mettrai la deuxième partie en ligne. Mais bon, ce sera à votre bon désir, on va dire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à s'abonner, à mettre un petit j'aime. Enfin, tout ce que vous voulez. Ou même à me rejoindre. Si vous voulez m'ajouter en ami, vous devez mettre... Inquisitrice espace ANOA. Enfin, attendez, je vais vous le marquer. Inquisitrice ANOA. Ah, de Dieu. Inquisitrice ANOA at Balkaiser, comme ça. Voilà. Vous mettez ça et vous faites ajouter à votre liste d'amis. Ça m'ajoutera, moi, dans vos amis. qu'est-ce que ça? Profession. Récompense à chaque... Non, je m'en fous. Voilà. Hop. Ben, je vous dis à la prochaine vidéo.